Moi et Brahim, on vous a donné rendez-vous au lac de Sarcelles pour présenter un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. C'est présenter cette ville sous différentes formes et justement essayer de retirer ces taches obscures qu'elle présente à travers la France ou on peut dire à travers le monde. Parce que souvent on a entendu dire que Sarcelles était une ville dangereuse, etc. On va surtout essayer de mettre en avant les talents de la ville qui à travers le sport ont su porter une image positive de la ville de Sarcelles. Ce qu'on va faire, c'est vous montrer la détermination, l'engagement, l'énergie que ces gens mettent dans leur projet. Et ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, que tu sois sportif ou pas. Il y a plein de lumière à Sarcelles, mais on a tendance à l'oublier parce que on a un passif, entre guillemets, de ville dangereuse, etc. Alors que c'est juste une ville qui vit et qui a ses défauts et ses qualités. Alors à travers ce reportage, on a décidé de vous présenter quelques athlètes, parce qu'il y en a des centaines à Sarcelles, de haut niveau. Et on a choisi une femme qui s'appelle Myriam Soumaré, une grande athlète, qui dans la vitesse française a écrit son nom. On a décidé aussi de vous présenter Patrick Cardon, un athlète qui se retrouve dans la catégorie handisport, qui est un grand guerrier pour moi, qui dans sa vie de tous les jours a plusieurs difficultés à affronter. Et malgré ça, il arrive à relever le défi au quotidien sans pleurer. Rabah Silmani, grand rugbyman, qui est un pur produit de Sarcelles. Désolé de dire produit, mais c'est vraiment quelqu'un qui est né ici et qui a tout fait en partant de Sarcelles et qui aujourd'hui se retrouve à jouer avec le 15 de France, qui est au Stade français et qui a des valeurs très profondes et très intéressantes. Ses parents vraiment ont fait un travail extraordinaire là-dessus, d'ailleurs vous allez le découvrir. On finira avec Brahim et moi-même. Brahim qui est aussi quelqu'un qui aime se cacher, mais qui à travers ce reportage sera dans la lumière puisque c'est un grand combattant, un grand boxeur qui est champion du monde à Sarcelles, champion d'Europe à Sarcelles. Et malgré que dans son quotidien, il travaille comme tout citoyen, il continue à être un sportif de haut niveau, ce qui est très dur à combiner. Et moi, ancien basketteur professionnel, qui aujourd'hui est éducateur sportif à la ville, qui a réalisé son rêve d'enfance. Et j'ai réussi, justement, en venant de Sarcelles, de montrer encore une fois que d'être issu de la banlieue n'est pas une fatalité, et bien au contraire. Donc à travers ce reportage, ce qu'on va essayer de montrer, c'est que être issu de Sarcelles, c'est pas une fatalité. La réussite peut taper à toutes les portes. C'est pas parce qu'on va passer à la télé ou qu'on va être suivi par une meute de journalistes qu'on aura forcément réussi dans notre vie. Qu'on soit sur une piste ou pas, on est tous des athlètes parce que la vie, justement, c'est du sport dans notre quotidien. Donc on va juste essayer de faire comprendre aux gens, à travers des sportifs de haut niveau, qui sont dans la lumière ou pas, que la réussite, en fait, est chez tout le monde. Je m'appelle Patrick Cardon, je fais l'haltérophilie et je suis né comme ça. Je suis handicapé depuis ma naissance. J'ai commencé l'haltéro à 6 ans et j'ai commencé les compétitions à 15 ans. J'ai fait 14 fois Stade France et j'ai fait les Jeux Olympiques en Angleterre en 2012. Mes coachs m'ont dit ne te prends pas la tête. Quand c'est tes premiers jeux, tu ne prends pas la tête. Fais comme tu as l'habitude de faire. Pour eux, j'ai fini 6e. Ils m'ont dit, t'as fait ton boulot. Set the standard for group A to follow, 146 kilograms. Là, je vais aller me préparer, je vais regarder quelle heure il est. On va aller prendre le bus là.
on va aller à Gonesse, on va prendre ce bus pour aller à l'entraînement. Quand j'arrive en retard, c'est mes frères qui m'ont ramené à l'entraînement. Dis, heureusement, ils sont là pour aller à la gare, et c'est fatigant. Parce qu'il faut prendre, quand je vais à la gare, il faut se prendre un peu de repos et après je repars. Et c'est ça, ça me fatigue quand je soulève les poids après. Pour m'amener à l'entraînement, c'est pas le bus, ça m'a pris la tête à un moment. À un moment, j'ai arrêté 4 ans. Mais grâce à mes frères, ils m'ont dit de reprendre la muscule. Ma famille n'était pas là. Ils ont arrêté complètement. Et donc à chaque fois que tu vas t'entraîner, oui, c'est le parcours que tu fais. Voilà. Il y avait un autre moyen de locomotion. C'est un but d'un handicapé. Comme ils prenaient du temps pour arriver, j'ai décidé de prendre le pied. Là, on va faire la montée, hein. On est bientôt arrivé. Mais c'est difficile. Où je m'entraîne. Maintenant, on va se mettre en mode. Donc Patrick, lui, il est dans la catégorie, donc c'est les moins de 49 kilos, donc c'est la plus petite catégorie au niveau des poids de corps. Et actuellement, il a un record qui doit être à 146 kg en compétition, on est à 150 kg à l'entraînement. Donc c'est actuellement la sixième meilleure performance mondiale. Après, les premiers sont encore très loin. On a les trois premiers à plus de 170 kg, donc voilà, c'est l'objectif pour 2016. Patrick, lui, il a commencé avant que j'arrive au centre, que je sois embauché ici. Puis il est arrivé, moi je ne me rendais pas forcément compte non plus du niveau, hein, donc bon, j'ai entraîné un peu, on va dire, comme les autres. Et puis quand on s'est retrouvé les premières compétitions, on finissait plutôt dans les derniers. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ceux qui étaient présents, forcément, c'était les meilleurs mondiaux aussi. Et puis il voyait Patrick, oh, ce sera un bon potentiel plus tard, bon, si vous voulez. Et puis finalement, voilà, on est 4 ans après, il a progressé de 30 kilos. Et c'est assez exceptionnel les progressions comme ça. Si on continue à me lancer, c'est sûr qu'on peut aller chercher les médailles au jeu, quoi. Moi, c'est Myriam Soumaré, je suis athlète professionnelle, j'ai 27 ans. Je fais du sprint plus précisément, 60 mètres, 100 mètres et 200 mètres. J'ai deux participations aux Jeux Olympiques, trois championnats du monde,
3 médailles dans les championnats d'Europe et plusieurs titres et médailles aux championnats de France. Mon plus grand titre pour le moment, c'est ma médaille d'or aux championnats d'Europe en 2010 à Barcelone sur 200 mètres, avec un triplé, une médaille sur 100 mètres et une médaille avec le relais 4x100 mètres. Au départ de Myriam Soumaré, Lina Jacques-Sébastien doit se mettre en action maintenant lorsque Fedoriva. Ça va être chaud cette dernière ligne droite. Fedoriva qui va être championne d'Europe. Myriam Soumaré qui est toujours dans le coup. Myriam, c'est pour voir les championnes d'Europe. Elle est championne d'Europe. Ah, c'est incroyable, 22-31. Myriam Soumaré qui réussit l'exploit de ces championnats d'Europe. Incroyable, incroyable. 7 dixièmes à son record, 23-0. Elle n'y croit pas. Cette course qu'elle nous fait. Personne. Ce qui est bien dans l'athlétisme, c'est qu'on ne dépend pas des gens, on ne dépend pas des conditions d'entraînement, on ne dépend pas du complexe sportif. Pour réussir, il suffit juste de courir vite et s'entraîner dur. J'entends souvent dire si elle a réussi, c'est parce qu'elle était douée ou c'est parce qu'elle courait vite. Je tiens quand même à préciser que courir vite, ça ne suffit pas. J'aurais pu continuer à être une fille qui court vite seulement, mais j'ai décidé d'être une athlète de haut niveau et d'être une athlète qui court très très vite, plus vite que toutes les autres. Donc pour ça, je m'en suis donné les moyens, je me suis entraînée dur, j'ai fait des concessions au jour le jour, c'est pas du jour au lendemain où je m'entraîne 5 fois par jour, non. Au début, j'ai commencé à 1 fois, 2 fois et petit à petit, j'ai pris le rythme et le goût surtout. Donc je me suis accrochée et finalement, ça a fini par payer. Donc dès qu'on a une passion, un endroit où on se plaît et où on se fait plaisir, où on sait qu'on a les moyens, ce serait dommage d'arrêter en se disant non, moi, je vais pas réussir, c'est que les autres. Enfin, on n'a rien de plus ni de moins que les autres. OK, on n'est pas entouré comme certains Parisiens ou comme certains d'autres grandes villes, mais à partir du moment où on a la motivation, je pense que ça n'a rien de se mettre des barrières. Un moment qui m'a marqué récemment, c'est ma demi-finale à Pékin, aux Jeux Olympiques. Je devais arriver dans les 2 premières. Pour être qualifiée à la finale. Et j'étais dans un stress immense. C'était une demi-finale aux Jeux Olympiques. Tu sais que si tu gagnes, tu rentres dans une finale olympique. Et que si tu rates, tu passes inaperçu. Enfin voilà, c'était le moment où il faut tout donner. J'étais fatiguée, j'étais stressée, j'avais quasiment pas dormi de la nuit. J'avais toute la pression, je savais qu'il y avait tous les journalistes derrière moi, c'était une compétition qui était très très médiatisée. J'aime bien ce travail mental qui arrive juste avant la course, peut-être 5-10 minutes avant la course où tu te doutes et puis après tu te dis non, c'est bon, je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je me suis bien échauffée, ça ira. Et puis tu vas sur la piste, tu entends le stade rempli qui crie, on te présente, tu as le stade qui t'applaudit. Et puis on te demande de te mettre en place et là c'est un silence. Je ne sais pas comment il se fait. Tu entends juste ton rythme cardiaque et puis tu attends que le starter il donne le coup d'envoi. C'est comme s'il ouvrait la cage et là c'est juste des lionnes qui veulent absolument arriver les premières. Il y a eu beaucoup de suspense après la course pour savoir si je passais ou pas en finale. J'en ai pleuré quand j'ai su que je passais en finale, mais je pense que c'était encore plus beau que ma série, encore plus beau que ma finale, parce que c'était vraiment un moment où j'ai tout donné, j'ai eu aucun regret sur cette course, et je pense que c'est mon plus beau souvenir des Jeux Olympiques. Voilà. Derrière une française, médaille d'argent, une nouvelle. Peut-être une semaine après championnat d'Europe, j'ai eu un appel d'un vieux monsieur et qui m'avait appelé pour me dire qu'il était en soins, qu'il sortait d'un cancer et qu'il était à l'hôpital toute la journée et que le fait d'avoir vu mes courses et la joie que j'avais procurée après mon titre, ça l'avait donné envie de se battre encore plus et de s'accrocher à la vie. Donc j'en étais très émue et ça m'a fait plaisir. J'ai gardé contact avec ce monsieur et voilà, il me tient au courant de sa santé qui va de mieux en mieux. Mais c'est vrai que quand on sait, même si voilà, on court et parfois dans les compétitions on oublie un peu tout ce qui nous entoure, on sait qu'on n'est pas soutenu que par sa famille ou ses amis. On sait qu'il y a des inconnus qui comptent sur nous, il y a des inconnus à qui, quand ils zappent sur la chaîne et qu'ils nous voient, ça leur fait plaisir. Rien que pour le plaisir que je donne, j'ai envie de continuer encore un peu. Pour moi, venir de Sarcelles, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que contrairement à d'autres clubs et d'autres structures, on n'a pas tout l'encadrement possible, on va dire, sur place. On n'a pas les kinés, on n'a pas des bains froids à disposition après chaque course. Mais moi, je m'en sors très bien ici. Trop de confort tue le confort. Donc avec mes propres moyens, je me débrouille. Moi, j'aime cette ville et pour rien au monde, j'aimerais aller dans d'autres grands clubs. Alors pour moi, la réussite, elle passe pas forcément par des grandes médailles, des grands championnats ou un gros salaire.
Moi, je considère avoir réussi à partir du moment où mes parents étaient fiers de moi. J'ai réussi lorsque j'ai obtenu mon bac. J'ai réussi lorsque j'ai pu payer toute seule mon propre loyer. Voilà, c'est des petites choses du quotidien qui font que j'apprends, je grandis et j'arrive à me débrouiller par mes propres moyens. C'est vrai que les médailles et tout ça, ça c'est un plus. Mais demain, si tout doit s'arrêter, j'ai encore plein de choses dans la main et c'est vraiment super. Moi c'est Rabah Slimani, hein, j'ai 24 ans, je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à Sarcelles. Je suis rugbyman professionnel depuis 2008. J'aimais bien les sports collectifs, moi ça changeait du foot et je me suis bien entendu avec les gens du rugby, surtout parce que voilà, j'avais un gabarit un peu pas comme les autres et on sait qu'au rugby il y a de la place pour tout le monde. Et moi j'ai commencé ici avec les sélections départementales, avec l'équipe du Val-d'Oise. Bon, on a dû gagner quelques titres, bon, je ne me souviens pas trop, mais après il y a l'équipe pré-sélection Île-de-France. Moi, je n'avais pas été pris la première année, après la sélection Île-de-France l'année d'après, quand j'arrive à Paris, on fait champion de France justement avec le comité Île-de-France. Et quand je suis arrivé au Stade français, la première année cadet, justement, on fait champion de France cadet. La grande finale, en plus, contre Perpignan. Pour nous, Perpignan, c'était la grosse équipe. Donc on fait champion de France cadet, on fait finale de coupe. Et après, j'ai fait, comme palmarès, j'ai fait champion d'Europe avec l'équipe de France moins de 20 ans, ce qui est actuellement le tournoi de destination. C'était pour les moins de 20 ans et on a gagné ce championnat-là. Et puis après, au niveau du palmarès, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein, champion de France et pourquoi pas encore champion d'Europe avec la grande équipe. On se trouve sur les terrains de rugby de Sarcelles, c'est là où j'ai commencé, c'était sur les petits terrains là-bas et depuis quelques années maintenant ils ont un très beau terrain d'honneur. C'est un peu particulier d'être ici parce que c'est là que j'ai commencé et voilà. Maintenant au niveau où je suis, c'est vrai que tout est bien, tout est beau, mais ça n'a jamais été facile, surtout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais ici au lycée à Sarcelles, c'était vraiment les va-et-vient. Je partais du lycée avec mon sac de sport, je courais jusqu'à la gare, je prenais le train pour me rendre de l'autre côté de Paris à Vaucresson. Et moi ça n'a pas été facile parce que derrière j'avais les cours, fallait que j'assure dans les cours et rentrer le soir à 23h minuit et le lendemain recommencer les cours à 8h, c'était un peu difficile. Après voilà, comme j'ai dit, Le travail, ça a payé et c'est là que j'ai eu la chance après de rentrer au centre de formation. Et là, par contre, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus structuré. Mais il y a quand même les études, c'était pas fini. Il fallait quand même batailler derrière aussi, justement, pour allier sport et travail. Surtout quand on commence à faire les sélections, qu'on voit d'autres personnes, qu'on se dit les gens viennent pas du même milieu que moi, mais moi je suis là, quoi. Donc, c'est là que on a envie de montrer aussi. Moi aussi je suis là, je suis présent et j'ai envie de montrer que même si on vient des quartiers, que ce soit de n'importe où, n'importe qui peut réussir.
Faut qu'on soit soudés parce que c'est au foot, il peut y avoir beaucoup d'individualité, mais au rugby, s'il n'y a pas de collectif, ça ne marche pas. Donc c'est sûr que voilà, quand on nous voit, on se sent assez proche, assez soudés. Et après, à l'approche des matchs, bon, chacun a ses petites superstitions, donc ouais, chacun se met dans sa bulle. Par contre, après, arriver une fois au vestiaire, tout le monde coupe son téléphone et voilà, et on est ensemble. S'il faut se parler, on se parle. S'il faut rester tranquille, on reste tranquille, mais voilà, chacun pense à son match. C'est du superficiel, avoir une grosse voiture, ça apporte rien. C'est vraiment voilà, d'avoir de la fierté de sa famille, de ses amis. Voilà, après faire sa petite famille et voilà, vivre vraiment tranquillement et pas d'excès. Nous dans le rugby, voilà, on gagne bien notre vie, mais on voit pas de mecs arriver en Porsche ou en truc, quoi, parce que voilà, les mecs restent humbles et la plupart savent d'où ils viennent. Moi particulièrement, voilà, maintenant je sais d'où je viens, je sais où est-ce que j'ai commencé et c'est pas parce que je gagne un petit peu d'argent que voilà, je vais flamber ou voilà, faut vraiment penser à l'avenir et bien savoir bien gérer sa vie. La réussite, c'est pour moi, c'est vraiment d'avoir fait de ma passion un métier, voilà, de vivre de ma passion. Ça, c'est déjà une bonne chose et surtout voilà, de voir la famille, les amis, voilà, fiers de nous voir. De voir, j'allais dire à la télé, mais de voir jusqu'où on est arrivé, franchement avec un peu d'envie, avec un peu de rigueur, franchement on peut arriver à tout, à réaliser ses rêves. Samuel Nadeau. J'ai été accueilli par la ville de Sarcelles à l'âge de 13 ans. Je dis accueilli parce que c'est le premier logement, première maison que ma mère, ma sœur et moi nous avons eu. Avant ça, on a beaucoup galéré dans la région de l'Île-de-France et on a eu la chance justement d'être adopté par cette ville de Sarcelles à mes 13 ans. Suite à la séparation de mes parents, ma mère s'est retrouvée justement avec tous les crédits sur ses épaules. Et c'était une masse financière qui était énorme pour elle à endosser toute seule. Donc elle n'avait aucun choix, il fallait payer. Et en même temps, elle nous avait à la charge. Donc deux enfants, c'est un peu compliqué pour une mère isolée justement d'avoir justement des crédits qu'elle avait fait en couple et d'avoir deux enfants à nourrir et à élever toute seule. Dans ma conscience, les choses étaient claires, il fallait que je fasse le plus vite pour pouvoir justement la sortir de cette galère. Étant jeune, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de s'amuser et d'être insouciant. Mais moi, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'avais déjà envie de travailler pour pouvoir l'aider et la sortir de cette galère. Alors j'ai découvert le basket par hasard. C'est un ami qui m'a présenté ce sport. Et je l'ai commencé à l'âge de 12 ans. Puis j'ai été piqué parce que je m'y sentais vraiment à l'aise. Et j'y trouvais un plaisir comme je n'avais jamais trouvé ni dans le foot ni dans l'athlétisme. Là où on se trouve à l'heure actuelle, là, sur ce terrain, en fait, ça a été mon école de vie. J'ai mangé, j'ai dormi, j'ai joué, j'ai transpiré, j'ai tout fait ici. Ma mère, elle me regardait de cette fenêtre-là, là, justement, et quand je sortais de l'école, je ne montais pas chez moi. Je revenais tout de suite sur le terrain. Quand je me réveillais le matin, je venais ici pour m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner le matin très très tôt, à 5h du matin, 6h du matin. Au début, ça dérangeait mes voisins, mais ils ont vite pris l'habitude. J'allais à l'école, je revenais, je m'entraînais. Les gens allaient se coucher, moi je m'entraînais encore. Je pense que la clé du succès était dans le travail et dans rien d'autre. Et l'acharnement que j'y ai mis m'a permis justement de progresser plus vite que les autres
et m'a permis de décrocher justement cette place dans le milieu professionnel qui n'est pas donnée à tout le monde. C'était le terrain en fait qui m'a permis de faire toutes mes gammes, mes bases et qui m'a permis d'avancer quoi. Je me suis beaucoup entraîné mais c'est pas ce qui a garanti mon succès puisqu'il n'y a pas de la place pour tout le monde dans le milieu professionnel. Je dirais que j'ai eu cette chance de pouvoir y accéder parce que j'étais là au bon moment. Parce que dans la vie des fois on a beau avoir le niveau mais on se trouve pas au bon moment et on n'est pas pris. Mais moi j'ai eu cette chance-là et j'ai su la saisir. Quand j'ai commencé le basket, je ne me suis jamais dit je veux devenir professionnel et être professionnel en France ou en Espagne ou en Italie. Moi, je voulais aller au meilleur niveau. Donc le meilleur niveau au basket chez nous, en tout cas dans ce sport, c'est la NBA, c'est la Ligue américaine. Après, de là, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Parmi des millions et des millions d'enfants, je faisais partie peut-être des 20 meilleurs de ma catégorie, donc c'est énorme. Le basket là-bas, c'est un sport qui est phare. J'avais un futur qui était presque assuré en NBA, mais j'ai pas pu y aller pour des raisons de famille. Ma mère est tombée malade, donc j'ai fait le choix de devenir professionnel à l'âge de 18 ans. Ce contrat était le bienvenu, puisque c'est une chose assez rare de décrocher un contrat à cet âge-là, surtout professionnel, et au Real de Madrid. D'ailleurs, je suis le premier Français à signer au Real de Madrid pour le basket. À travers cette expérience, c'est vrai que je réalise que je n'ai pas réalisé mon rêve qui était d'aller en NBA, mais j'ai réussi à attraper le meilleur club d'Europe, basketement parlant. Et comme je dirais, j'ai visé le soleil, mais j'ai attrapé les nuages. Quoi. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui pensent que la réussite, c'est de passer à la télé, d'être vu par les médias, d'être sportif professionnel. Tout près de chez soi, en fait, on a nos parents, on a nos frères et sœurs qui travaillent dans leur quotidien et qui réussissent justement à nous nourrir, nous faire avancer. Et je pense que la réussite, c'est ça, avant tout. La réussite, c'est pas être dans la lumière, être aimé par tout le monde ou être vu par tout le monde. La réussite, souvent, elle se trouve dans l'ombre. Et cette ombre-là, c'est nos parents qui, chaque matin, vont travailler justement pour pouvoir nous aider et qui font en sorte que notre quotidien soit meilleur. Être issu de Sarcelles, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un bonus. Comme je disais auparavant, dans cette ville, on y croise tellement de choses, tellement de nationalités, de cultures, de religions différentes. Donc ça peut être qu'un bonus. C'est une école de la vie pour moi. Rencontrer des gens différents dans mon quotidien, ça ne peut que m'apporter et créer de l'échange. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière. Pour moi, Sarcelles, ça ressemble à New York ou à de grandes villes justement où beaucoup de cultures s'y croisent. Et ça peut peut-être être qu'une richesse pour nous ou pour nos enfants. Et je ne pourrais jamais dire en tout cas que d'être issu de Sarcelles, c'est une fatalité. Bon, je m'appelle Ibrahim Kolaté, j'ai 32 ans, je suis originaire de la ville de Sarcelles. Ma discipline, c'est la boxe, que j'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'avais une force en moi, une énergie que j'avais besoin d'évacuer. Je n'arrivais pas à l'évacuer dans les sports collectifs. Je sais pas, il me manquait quelque chose. J'avais besoin de me dépasser. J'avais besoin d'un exploit personnel plutôt que collectif. Quand j'ai commencé la boxe, si tu bosses pas, si tu travailles pas, t'arrives à rien. Alors moi j'ai commencé par la boxe française. Donc boxe française, c'est la base de toutes les boxes, hein, je pense. En parallèle, je faisais aussi du kickboxing, donc ça reste du pied-point. Sauf que là, la particularité, c'est qu'on a le droit de taper avec les tibias.
box thaï, où là on a le droit d'utiliser les genoux et les coups de coude. Donc ça, j'ai fait des petits galas, j'ai fait une ceinture intercontinentale. J'ai eu deux titres mondiaux dans deux disciplines différentes, le Viet Vo Dao et la boxe française. J'ai fait champion d'Europe aussi en boxe française. Et j'ai fait des sélections pour participer aux Jeux Olympiques 2012. Toutes ces disciplines pour moi ne m'ont pas forcément posé de problème, étant donné que soit elles se ressemblaient, soit il y avait des petites techniques à adapter que moi je travaillais en amont, parce que j'arrivais pas comme ça dans les disciplines en disant je suis le meilleur, jamais de la vie. Je respectais les disciplines, je regardais le règlement, j'étudiais les techniques, je les travaillais, et une fois que j'avais acquis toutes ces techniques-là, je m'investissais dans des compétitions. Je dirais qu'avant tout, la vie, c'est un combat. Et voilà, tous les jours, c'est pas évident tous les jours. Le sport, c'est un moyen de se surpasser et de relativiser sur plein de choses. Je fais du sport, c'est pas pour avoir la haine contre les autres. Hein. Moi, c'est avant tout, je prends du plaisir à ce que je fais. Donc, l'adversaire, effectivement, bon, quand il est en face de toi, t'es là pour gagner. Donc, à un moment donné, il n'y a pas trop de sentiments à avoir. T'es là, c'est celui qui restera debout qui gagnera. Donc, tu fais tout pour gagner. Une fois que le combat est terminé, ça y est, c'est bon. Limite, vous devenez amis. Il n'y a pas d'animosité à avoir sous prétexte qu'on s'est combattu, qu'il a gagné, que j'ai perdu ou inversement. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Quand tu gagnes une grosse compétition, bah, t'as une espèce de sentiment de plénitude. Hein. Voilà, tu voles, t'es un petit peu dans les airs. C'est inexplicable, quoi. Faut le vivre. Là, tu te dis, j'ai travaillé, et voilà où mon travail m'a emmené. Et ben, s'il t'a emmené au titre suprême, c'est une confirmation que ce que tu as fait, ben, tu ne l'as pas fait dans le vent. Quoi. Tu peux être que heureux. Quoi. Ouais, non, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Après, c'est vrai que c'est pas évident quand tu as des mecs qui sont là pour te cogner. Oh, on est content quand même tous de notre prestation et à bientôt pour de nouvelles aventures parce qu'on n'a pas fini. Oh là là, quelle série! Alors, quand tu perds, tu te remets énormément en question. J'ai accepté des combats blessés parce qu'à un moment donné, il fallait donner à manger, il fallait ramener à manger à la maison. Quoi. Donc, j'ai accepté des combats blessés, j'ai perdu des combats, j'en ai gagné. Parce qu'en boxe, des fois, bon, t'as des trucs bizarres au dernier moment, tu changes ton adversaire, l'autre il est champion de je sais pas quoi, tu le connais pas, tu l'as pas étudié, t'arrives, et la seule chose que les gens vont retenir, c'est « Ah, il a perdu !» Ouais, mais tu sais pas contre qui j'ai boxé, tu sais pas dans quelles conditions ça s'est passé. Mentalement, déjà, il faut que tu te remettes de tout ça. Quand tu ne serais-ce que, même si la semaine d'après, tu réenchaînes sur un entraînement, tu te sentiras pas fort tout de suite, tu reprendras pas confiance en toi tout de suite. Ouais, parce que tu as encore cette blessure qui reste. Et voilà, il faut la surmonter. Et pour ça, tu as des gens qui sont autour de toi aussi, qui sont là pour t'épauler, t'accompagner dans cette démarche. Quand c'est la chute, tu regardes autour de toi, tu ne trouves plus personne. Donc être bien entouré, c'est très important. Les gens ne te voient pas comme un sportif à part entière, quelqu'un qui a envie de prendre du plaisir dans ce qu'il fait. À partir d'un certain niveau, les gens te voient comme un investissement. Après, c'est à toi de,
c'est à toi de faire la part des choses. Voilà. Les enfants, des fois, quand ils entendent que je suis champion du monde parce que j'en parle pas, ils viennent me voir et me disent « Ibrahim, c'est vrai que t'es champion du monde ?» Je dis « Ouais, c'est vrai. » La première des choses qu'ils me disent, c'est « Hey, t'es passé à la télé ?» Je leur dis « Oui, effectivement, ça m'est arrivé de passer à la télé, mais je suis pas champion du monde pour passer à la télé. Moi, je me plais dans ma petite vie, être tranquille chez moi, à Sarcelles. Même si tu t'informes pas sur qui je suis, apprécie-moi pour ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un bosseur, une personne simple, voilà, qui vient te voir en te disant « Je m'appelle Ibrahim » et non pas « Salut, je suis boxeur professionnel, je suis champion du monde et je suis le meilleur au monde, je suis le plus beau. » Non, c'est pas le genre de la maison, voilà. Joue ton pari, mais joue sans avancer. Tu poses tes appuis et bam, bam, dès qu'il rentre, il est plus petit que toi. Donc forcément, ton bras avant, il va le stopper. Et là, tu mets bras avant, tu passes tes middle jambes avant. Et quand tu as l'opportunité, là, tu passes ton bras arrière. Mais fais gaffe, tu as toujours ton écart de jambes quand tu mets ton bras arrière. C'est pour ça que tu vois, t'es assez éloigné. Mais sinon, c'est pas mal. J'ai eu une fois l'occasion d'avoir le titre beaucoup plus tôt que prévu. Et j'ai pas réussi. Des fois, on arrive à atteindre notre objectif. Des fois, on n'y arrive pas. Il n'y a qu'un champion du monde, il n'y a qu'un vice-champion du monde. Les autres, soit ils attendent l'année suivante, soit ils se fixent d'autres objectifs, mais ces autres objectifs-là, ils peuvent aussi passer par l'obtention d'un bon travail qui leur permettrait d'avoir un salaire conséquent et de vivre convenablement grâce à ça. Donc, il n'y a pas que le sport. Il y a aussi ce côté scolaire qu'il ne faut pas négliger. Être originaire de Sarcelles, non, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Au contraire, c'est une force. Et à la différence de certains endroits où tu arrives et on te donne tout sur un plateau d'argent, tu es sportif, t'es un sportif de haut niveau, tu as une salle dernier cri. Voilà, moi je vous présente la salle dans laquelle je me suis entraîné pendant des années. À l'époque, c'était des sacs qu'on accrochait et qu'on décrochait à la fin de chaque entraînement. Mais quand vous regardez la salle, il n'y a rien dedans. Avec peu de choses, on est arrivé à faire des merveilles. Voilà, vous plantez une graine et ça vous sort un pommier ou... je sais pas, voilà, c'est terrible quoi. C'est terrible. Donc... planter une graine à Sarcelles et revenez 3 mois après, vous allez voir qu'est-ce qu'elle est devenue votre graine. C'est un petit peu ça notre histoire, à nous à Sarcelles. Donc à travers ce reportage, j'espère que vous avez pu comprendre le message qu'on a essayé de vous passer, qui était justement de s'axer sur la réussite, qu'est-ce que c'était la réussite et comment nous on la voyait et pas comment les gens désirent qu'on l'observe. En chacun de vous, il y a un Rabah Slimani, une Myriam Soumaré, un Patrick qui se bat. On est tous des champions à notre étage, dans différentes catégories, de nos parents à nous, enfants ou acteurs de la ville, qu'on soit à l'école ou dans un bureau. On a justement cette robe de champion et qu'il faut la reconnaître. Petite Sarcelles, champion de l'ombre, parce que le public connaît des sportifs. Seulement, on oublie souvent de préciser qu'ils sont issus de la ville de Sarcelles. Mais aussi, les habitants de cette ville sont dans l'ombre d'une image négative, souvent véhiculée par les médias. Et nous, on a essayé à travers ce reportage de remettre les choses à leur place. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'est un projet qui pouvait avoir un très bon impact pour notre ville et pour l'image qu'elle véhicule. Dans un futur proche, Ibrahim et moi, on va essayer de revenir vers vous avec d'autres documentaires qui auront but de vous présenter encore une fois Sarcelles sur différentes formes. On va essayer de vous montrer qu'il y a plein de gens qui ont réussi et qui portent aussi des très bonnes valeurs de notre ville et une très belle image.